Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui notre thème du jour est comment puis-je faire grandir ma foi. Quelle bonne question. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Ça va, ça va ça Bien. bien. J'avais peur que le thème ce soit comment faire grandir mon froid. C'est <laughs> pas Et ah. ton froid. <laughs> Que de jeux de mots sur ce plateau. <laughs> Donc aujourd'hui, en ce lundi matin, on commence la semaine sur les chapeaux de roue. On va parler de la foi et de comment la faire grandir. Et Jonathan, tu vas répondre à une question sur Abraham. Tout à fait. Et on en a parlé euh, la semaine passée, comme ça, un petit peu vite Entre fait. Deux. Et peut-être ça a suscité une question hein, de nos téléspectateurs qui veut en savoir plus un petit peu sur ce sacrifice d'Isaac. C'est ça, pourquoi Dieu a éprouvé Abraham, je peux lire la question, pourquoi Dieu a-t-il éprouvé la foi d'Abraham alors qu'il sait tout à l'avance, donc ça va nous parler de l'omniscience de Dieu également tout à fait. Et on, on, on va discuter de la question. On va discuter de la question, <laughs> tout à fait. Et Nadine, tu nous présentes le livre de la semaine. C'est quoi aujourd'hui Oui, la t'as « une fois toujours plus grande de Smith uh, Wogglesworth. Oula. Oh ouais, oh. tu peux dire Smith Wogglesworth comme Dans moi. Pas hein. <rire> <rire> moi, je le très bien. Hein. <laughs> Smith au oh nom imprononcé. <laughs> Ça t'a béni ce livre ah, Vraiment, un livre, je vais vous dire, c'est d'ici un livre bouleversant de l'un des plus grands pionniers du mouvement de Pentecôte des temps modernes et c'est vraiment un livre bouleversant. Je vous en parle tout à l'heure. Excellent! On a déjà parlé de sa biographie, mais là, ça va être autre chose. Et on va continuer après avec toi, Aurélie, rubrique témoignage. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors, c'est l'histoire de Marie-Laure qui a fait de EMCI son compagnon de route. Et on va voir comment tu a donné un petit coup d'accélérateur à sa vie spirituelle oh, alors qu'elle regardait nos émissions. Que c'est joliment formulé! <rire> <rire> Génial! Bon, bah, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec toi, Michael, dans la pensée du jour. Le titre de ma pensée s'intitule Sur quoi fixes-tu tes yeux Et on va parler de l'histoire de Pierre euh, qui se trouve sur cette barque et qui va marcher sur l'eau, cette histoire bien connue. Et on va voir qu'ici, il y a une belle leçon de foi qu'on peut en tirer. Parce que souvent, on pense ne pas avoir la foi. En réalité, on commence par la foi, mais après, on... notre foi s'affaiblit finalement et le doute vient. Mais on commence bien et on finit mal. Lisons ensemble Matthieu chapitre 14 verset 27. Jésus leur dit aussitôt Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria Seigneur, sauve-moi. Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, ⁇ Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?⁇ Frères et sœurs, dans des situations d'épreuve, on peut se retrouver comme Pierre. Et vous voyez que là, Pierre, face à, à, à la situation, il se retrouve face à Jésus et il voit que c'est le Seigneur Jésus. Jésus dit, c'est moi. Il dit, Seigneur, si c'est toi, je sais que ta parole est puissante. Quand tu dis quelque chose, cette parole crée le surnaturel. Alors, si c'est toi... Ordonne-moi de venir pour que moi aussi je marche sur l'eau comme toi. Jésus dit, viens. Et on voit que Pierre commence par une foi, avec de l'assurance, une ferme assurance, et cette ferme assurance crée le surnaturel. L'eau se solidifie sous ses pieds, il marche sur l'eau, mais on voit que tout à coup, Pierre commence à couler. Et pourquoi Pierre a-t-il coulé Jésus va dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Pierre a commencé à couler, le surnaturel s'est arrêté, parce que Pierre a commencé à douter. Mais pourquoi Pierre a-t-il commencé à douter au verset 30, c'est écrit, il eut peur. Et pourquoi Pierre a-t-il eu peur Parce que, c'est écrit, voyant que le vent était fort. Pierre avait commencé avec ses regards fixés sur la parole de Jésus, la parole vivante et permanente, la parole du Tout-Puissant, la parole du Créateur. Et il était plein de foi en ayant ses yeux fixés, ses regards fixés, son attention, son focus sur ce que Jésus avait dit. Et puis là, il se détourne et... Il, il, il commence à, 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 à considérer les circonstances, ce qu'il ressent, à analyser le vent. Et là, il se détourne de la parole, il se détourne de Jésus, il se focalise sur les circonstances. Et la peur naît dans son cœur, la peur amène le doute, et là, il commence à couler. Et parfois, on réagit comme ça. Mais souvenez-vous de cette histoire d'Abraham. Abraham, contrairement à Pierre, il est écrit dans Romains au chapitre 4, verset 19. Euh, il avait une promesse de Dieu. Et contrairement à Pierre, il n'a pas considéré les circonstances. C'est écrit et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans. Il ne considéra point. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il a aussi. La puissance de l'accomplir. Donc là, on voit que Abraham, lui, n'a pas considéré les circonstances, n'a pas essayé d'analyser, raisonner, faire un bilan, un état des lieux des situations dramatiques autour de lui, mais il est resté focalisé sur la promesse de Dieu. Et quelle que soit votre épreuve, j'aimerais vous encourager à démarrer comme Pierre et à rester comme Pierre, à prendre l'image d'Abraham et au lieu de considérer les tempêtes qu'il y a, le bilan financier, le bilan médical, le bilan des symptômes, le bilan de cette situation, ce mur que vous voyez. Au contraire, ne vous laissez pas distraire, mais restez les yeux fixés sur la parole que Jésus vous a donnée afin de rester dans une ferme assurance qui produira le surnaturel dans vos vies. Amen. Amen, merci beaucoup chérie. Et oui, Pierre, euh, malheureusement, nous inspire au début et puis après bon bah, un petit peu le contre-exemple, mais euh, ça nous prouve encore une fois euh, cette nécessité de demeurer dans la foi et euh, dans ta pensée du jour, chérie, tu parlais euh, d'Abraham qui a cru en la promesse, mais donc si je comprends bien, on a besoin d'une promesse de Dieu pour que notre foi soit vraiment solide. Ça, la Bible dit dans Romains au chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et euh, c'est important dans les temps d'épreuve que notre foi soit activée, que notre foi s'appuie sur un fondement. Et ce fondement, c'est la parole de Dieu. Ce qui active notre foi, ce qui, ce qui la rend active, c'est la parole de Dieu. Donc si on n'a pas une promesse de Dieu, une parole que Dieu nous a adressée personnellement, qui vit dans notre cœur, qui est révélée à l'intérieur, ben on ne pourra pas être dans cette ferme assurance. Il faut cette parole de Dieu. Et là, ben pour l'avoir, il faut avoir... Euh, J'aime cette citation de Smith Wigglesworth qui dit, voici ce qui fait défaut à tant de gens aujourd'hui. Tout manque de foi vient de ce qu'on ne se nourrit pas assez de la parole de Dieu. Mm -hmm. Et c'est vrai que... Pour, Dieu parle principalement à travers la Bible, et, et, et c'est là le rôle du Saint-Esprit. Quand on lit la parole de Dieu, euh, on est là, on, on lit la parole et on dit Seigneur, mais parle-moi, je suis dans telle épreuve, mais, mais donne-moi quelque chose, une parole. Et là, le Saint-Esprit prend cette parole écrite et nous la révèle, nous l'adresse personnellement, et il se passe quelque chose dans notre cœur. Là, on voit ah, on est fortifié, la foi jaillit, la foi est activée. Et c'est ça, il faut commencer à avoir une parole. Mm -hmm. C'est ce que va faire Pierre hein. quand il est là, ben, il y a quand même une tempête, tout oui. le monde a peur, hein. on pense voir un fantôme, tout mm -hmm. le monde est en, en panique. Mais Pierre, il ne dit pas, bon, je vais aller voir ce qui se passe. Il non. dit, j'ai besoin d'une parole. Mm -hmm. Il dit, si c'est toi, dis-moi quelque chose, mm -hmm. ordonne, oui. dis. Et, et il va chercher cette parole, c'est sa première préoccupation, j'ai besoin que Dieu me parle. Et ça, c'est important si vous êtes dans un temps de tempête, de trouble, mm -hmm. ou de peur, ou d'angoisse, et il y a beaucoup de choses autour de vous, vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu, parce que c'est cette voix qui rassure, c'est cette voix qui console, c'est cette voix qui permet justement de baser notre foi sur cette parole. Un peu comme ce centenier qui dit, dis seulement un mot. Mm -hmm. et, il, il attend même pas que Jésus vienne, qu'il se déplace. Il dit, dis seulement un mot et je peux baser ma foi sur cette parole hein, et mon serviteur sera guéri. Et la conclusion de Jésus, c'est de dire, mais j'ai jamais trouvé, même en Israël, une foi aussi grande. Quelqu'un qui a juste besoin d'une parole mm -hmm. pour poser sa foi sur cette parole. Ah, c'est sûr hein, que ça, c'est fort et ça fait penser un petit peu à notre verset du jour, Luc 17, 16, qui nous montre. Ce que peut produire la foi d'incroyable, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier Déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait. Ça paraît complètement fou quand on lit ce verset, on se dit Ben bah, non, c'est impossible. Mais en fait, on voit, ça nous démontre que la foi peut faire des choses qui sont complètement irrationnelles, complètement impossibles. Mais ça demande justement d'avoir cette foi dont tu parles par rapport au centenier, par rapport à Pierre, à Abraham. C'est une foi qui repose sur, euh, sur une parole sur une promesse de dieu et, et cette promesse c'est important j'imagine de, de l'écrire de la garder de se la remémorer oui c'est sûr que on voit que pierre a eu une parole au début le seigneur lui a dit viens donc il avait la parole de dieu ça ça a activé la foi dans son cœur il était là il dit, ok et il a commencé à marcher sur l'eau mais on voit que il a oublié la parole il s'est défocalisé cette parole mm -hmm. parce que quand on est dans un temps d'épreuve il y a vraiment de la pression qui est là. La pression, il y a de l'adversité, il y a des situations qui te rappellent où tu vas foncer dans un mur. Mm -hmm. C'est dangereux pour toi. Tes lendemains sont incertains. Et c'est ce qui s'est passé. Et euh, il y a ce verset que j'aime beaucoup, Abakuk 2.2, qui dit ⁇ L'Éternel m'adressa la parole et il dit ⁇ Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. ⁇ Et c'est vrai que... Souvent, Dieu va nous parler. On a déjà eu la parole. On commence bien, mais avec l'épreuve, on l'oublie. Mmh. Et le fait de faire, à, à mettre en pratique ce verset, d'écrire. Bon, à l'époque, c'était des tables, mais aujourd'hui, d'écrire sur un ordinateur, d'écrire sur un papier, un post-it. Mmh, on peut mais, se l'afficher. Voilà. Mais de relire chaque jour, repasser cette parole dans son cœur chaque jour, bah, ça, ça, ça entretient la foi mmh. en nous. Ça, ça, ça on, on est fortifié. Et donc, on reste dans cette attitude de foi. On reste dans le calme et la tranquillité parce que notre focus et sur encore sur la mmh. parole de Dieu. Mmh. Et c'est important de l'écrire, de la lire, de la prononcer, de la proclamer. Mmh. Et même on se rappelle quand on écrit que c'est Dieu qui a fait la promesse et que comme avec le cas d'Abraham, il est fidèle et juste pour l'accomplir et pour moi c'est vraiment important aussi d'écrire parce que ce rappel est trop important quand les, les la mer, la tempête, l'agitation va venir pour nous parler. Mais il faut toujours se rappeler qu'il y a un Dieu qui a fait la promesse et que ce Dieu est plus fort que la tempête, il est plus grand que toute chose en fait. Donc écrire c'est pas juste anodin, c'est écrire une parole que Dieu nous a donnée en fait. Et quand ça vient de Dieu, mais c'est sûr que ça va s'accomplir et ce sera facile lorsqu'on a écrit, lorsqu'on a la vision sous les yeux de. Dès qu'il y a quelque chose qui vient de dire à cette chose, ça c'est un mensonge. Parce que voici ce qui est la vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit ici. Mm -hmm. Et vu que ça vient de Dieu, on va même se, on va même méditer en fait dans le verset euh, de Romains 4 avec Abraham. Euh, Quelque pas avant, il est dit que euh, il, a, il croyait au Dieu qui euh, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est écrit, te fait penser à ça que là aujourd'hui, peut-être c'est pas encore le cas. Mais j'ai le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et peu importe ce qui se joue devant moi, peu importe ce que je vois, peu importe tout ce qui ne correspond pas à cette parole, ça c'est du mensonge. Mm -hmm. Mais tout ce qui va aller dans le sens de cette parole parce que c'est Dieu qui l'a dit, ce sera la vérité. Donc écrire, c'est vraiment important quoi parce que on a toujours la parole de Dieu en face de nous et on sait ça nous permet de cultiver on, on, on se rappelle qui est Dieu mm -hmm. et ça fait une différence euh, certaine. Amen, Amen. Dans le verset, ça dit que si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier. Et je crois aussi que la parole, ce que nous nous disons, ce que nous entretenons comme conversation au quotidien, vient aussi jouer quand notre foi est faible ou quand notre foi est affaiblie à cause des circonstances. Parce que Paul, euh, Pierre, pardon, dans le, dans le verset qu'on a vu, ben, il a vu que le vent était fort. Il l'a il a, il a, il a vu, est-ce qu'il est qu s'est exclamé tête dans son cœur Est-ce que nous, des fois, on voit des choses, des, des vents forts dans nos vies et on va dire regarde, le vent est fort, regarde vraiment, je ne pourrais plus me rendre douce est-ce que je dois aller parce que les circonstances sont trop difficiles. Et je crois que notre, notre verbal, ce que nous disons, est vraiment important. Et beaucoup, nous savons que nous devons dire les bonnes choses, mais oui, je dirais à 90%, quand on est dans des temps difficiles, on confesse plus nos temps difficiles. Oui. On parle plus de ce qui se passe, on parle plus des difficultés que, mm -hmm. que nous avons. Mais si Dieu nous a parlé à travers une promesse, à travers une parole que nous avons lue, qui est devenue un réma, une révélation pour nous, nous devons, oui, l'écrire et le verbaliser. Et je crois même en tant que couple, en tant que famille, de s'encourager. Si on a. Ou bien même un ami vous a parlé d'une difficulté, quand il revient vous voir. Et puis il vous il vous parle de la même difficulté. Dis-lui mais non tu te rappelles Dieu t'a parlé oui. Dieu t'a déjà promis et là qu'on fait cette promesse là parle de ok aujourd'hui je suis malade mais je sais déjà que je suis guéri aujourd'hui peut-être financièrement ça va pas notre maison peut-être on va nous l'arracher mais je sais que Dieu va faire Dieu m'a promis Dieu va le faire et vous parlez comme ça vous vous entretenez comme ça ça vient aussi bâtir la foi non seulement la vôtre mais même celle de votre entourage. Mm -hmm. Et ce verset nous parle d'une foi qui est toute petite, une graine de moutarde. Hein. C'est en tout cas dans les plus petites graines, si ce n'est la plus petite. Mm -hmm. Et pourtant, on voit la force qu'a cette petite graine. Et en fait, finalement, c'est pas réellement la taille de la foi, et c'est volontairement que l'émission c'est grandir la foi, parce qu'en réalité, l'important c'est d'avoir la foi. C'est plus la force de, de la foi. Mm -hmm. et on peut avoir une foi faible ou une foi forte. Tout comme on a tous des muscles, on peut avoir des muscles qui sont forts, qui sont puissants, ou euh, des Muscles qui sont faibles, c'est pas la taille du muscle. Mmh. Hein, on a déjà vu hein, des fois des, des bras de fer ou des combats. Il y a des gars, c'était des véritables armoires à glace mmh. boostées au stéroïdes Et tu avais d'autres qui avaient l'air tout frêles, mais qui étaient très puissants. Donc c'est plutôt la force de cette foi. Et là, tout ce qu'on est en train de dire depuis le début de cette émission, c'est ce qui va fortifier notre mmh. foi, c'est ce qui va la garder euh, active en fait et efficace. C'est en fait cette force, elle est révélée au travers de l'épreuve, au mmh. travers d'un test. Hein. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques vont dire que notre foi est éprouvée, hein, on va dire Pierre. Notre foi est éprouvée, c'est-à-dire elle est testée. Mm -hmm. et, et en fait, l'échec de la foi, c'est le doute. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un mode de dire je crois que la chose va arriver, mais mm -hmm. je commence à douter. Est-ce que Dieu m'a vraiment dit Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que c'est lui qui m'a parlé Est-ce que c'est vraiment sa volonté Est-ce que c'est vraiment sa promesse Tandis que. Quand notre foi est solide, qu'elle est ferme, mmh. qu'elle est forte, mmh. eh bien, elle va résister à ce doute. Mmh. Et malgré le vent, malgré la tempête, malgré les obstacles, malgré les difficultés, ça, veut dire, ça va peut-être être aussi de, de dire honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe, c'est pas le plan, je pensais que ce serait différent, je suis un peu surpris par le cours des événements, mais je sais une chose c'est que Dieu m'a dit. C'est mmh. que Dieu a parlé, c'est qu'il a promis, et rester ferme, euh, sur cette parole. Maintenant, euh, ça, c'est quelque chose qui s'éduque aussi. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas, pas quelque chose de, de magique hein, ou de mystique en disant, bon, ben, tu répètes cette formule pour avoir une foi ferme et solide. Non, parce que c'est un combat. Mm -hmm. Et on exerce dans le combat, ben, on, on a plus ben, comme un muscle, hein, on a plus d'habileté, plus de fermeté, plus de force. Et cette foi, ben, elle doit être solidifiée, exercée. Alors, il y a peut-être eu un échec, et ben, il faut se relever, et la prochaine fois, ben, on, on tiendra Exactement. et on ne lâchera pas. Exactement. Et puis, ne pas être ces auditeurs oublieux, mais vraiment garder, retenir. Marie gardait sur son cœur toutes les paroles qu'elle avait mmh. entendues, et c'est important donc de nourrir. Et c'est avec la parole, c'est en repassant la parole sur notre cœur, c'est en lisant les promesses de Dieu, en, en passant du temps dans sa présence aussi, qu'on est en train mmh. de nourrir, mmh. d'alimenter et de solidifier cette foi. C'est ça, et tu nous parles de l'épreuve. J'ai une citation euh, que j'aimerais vous présenter aujourd'hui qui est de Georges Muller. Mmh. Apprendre à avoir une grande foi, c'est passer... Par de grandes épreuves, j'ai appris ma foi en restant debout devant des tests éprouvants. Et cette citation, elle nous montre en fait à quel point et cet homme-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, on fera d'ailleurs bientôt une rubrique flashback sur lui. Mais c'était un homme qui était un Allemand qui est parti à Londres et qui a en fait fait un travail extraordinaire auprès des, des orphelins là-bas. Anne nous en parlera très certainement bientôt. Et en fait, il est allé d'épreuve en épreuve, mais il a vécu miracle sur miracle. Et en fait, il est arrivé à la conclusion que c'est l'épreuve qui avait fait grandir sa foi, qui avait fortifié sa foi, qui avait rendu sa foi solide, parce que à chaque moment de l'épreuve, il a pu euh, voir l'intervention divine de Dieu. Il a eu la bonne attitude, il a appris et il a vu que Dieu était fidèle, peu importe ce qui se produisait. Oui, c'est ça. Et dans, dans les temps d'épreuves, comme on le disait tout à l'heure, on a vraiment tendance à vouloir chercher des solutions par nous-mêmes. Mmh. Or euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas manquer de, 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 de sagesse non plus dans une situation. Si on a les moyens d'agir pour se libérer d'un problème, il faut le faire. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, il y a un mur, c'est impossible. Et on se souvient qu'on a un Dieu euh, qui peut tout. Mais souvent, on va quand même, parce qu'on est des auditeurs oublieux, parce qu'on ne tire pas des leçons du passé, on va encore foncer dans le tas, essayer par nous-mêmes mmh. de trouver des solutions. Or, comme le disait euh, Jonathan tout à l'heure, c'est vraiment le moment dans l'épreuve. Chaque jour, d'aller écouter, rechercher la voix de Dieu. C'est essentiel. Et pour ça, parce que beaucoup nous écoutent, ils disent Oui, mais moi, mon problème de fond, c'est que je pas cette parole dans mon cœur. Je n'ai pas ce rémat, je n'ai pas cette promesse de Dieu mmh. pour moi. Et bien là, en fait, le seul moyen, c'est d'aller dans le lieu secret, le lieu d'intimité, avec la parole de Dieu écrite, mais aussi dans la prière, dans le jeûne parfois. Jésus a dit hein, aux disciples qui n'arrivaient pas à chasser ce. Ce démon du jeune homme lunatique, il a dit Mais ce, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est à cause de vos incrédulités. Donc, allez, là, c'est le moment de ne pas continuer à vous acharner sur un problème, ça ne marche pas. Allez entendre la direction, recevoir la sagesse, recevoir la foi mm -hmm. dans la prière et dans le jeûne. Et les, les disciples, allez, allez, peut-être, sur le conseil de Jésus, ils auraient dû aller jeûner et prier. Euh, être boosté, recevoir mm -hmm. une parole, revenir, booster dans la foi, mm -hmm. et puis là, rempli de foi, ça aurait fonctionné. Mm -hmm. Et c'est souvent ce là où on échoue. Ouais. C'est qu'on est dans un emploi du temps trop actif, on veut tout tout de suite, alors qu'il faut vraiment aller chercher la face de Dieu, ouais. la présence de Dieu. Et souvent, en fait, Dieu nous parle en nous rappelant un verset. On a déjà lu. Mais t'es en train de prier, t'es en train de parler en langue, t'es en train de fléchir le genou devant le Seigneur, t'es en train de pleurer peut-être, crier à Dieu. Mais là, tout à coup, un verset revient. Ou parfois, lors d'une prédication, que ce soit à l'église, une prédication que t'écoutes, un message que t'écoutes, et, et voilà, oui. Dieu se sert de toutes sortes manière, de façons. D'une manière ou d'une se autre, un rêve, une vision voilà. ou, mm -hmm. ou une conviction. Je sais que je sais que je sais. Mais il se passe quelque chose dans la mm -hmm. présence de Dieu. Mm -hmm. il faut pas tomber dans le piège de l'urgence pour rejoindre ce que Michael disait <coughs> pardon c'est que parfois on a des situations qui sont trop urgentes on se dit mais si j'agis pas si je fais pas par mes propres ouais. moyens en fait j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'aller consulter Dieu j'ai pas ce temps là en fait mais ça c'est un piège justement et c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent parce que la, la réalité va toujours vouloir te faire croire que si tu fais pas ça ben es mort quoi mm -hmm. c'est fini mais Dieu justement est puissant et aller dans sa présence, comme Michael disait, pour sortir de là avec une parole, avec quelque chose de clair. C'est pas, c'est pas une option. Ça doit être notre premier réflexe. Mm -hmm. C'est vraiment le réflexe qu'on doit avoir lorsqu'il y a une situation qui se présente, lorsque l'épreuve vient. Parce que le garant qui, la personne qui nous fait sortir de cette épreuve, ben, c'est le Saint-Esprit, c'est sa force qui agit en nous, qui nous fait sortir de l'épreuve. Mais trop souvent, on, on se fie juste à l'urgence. Et c'est ça qu'on appelle aussi la réalité, c'est cette euh, urgence-là qui peut avoir dans les vies, peu importe la situation des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, même si le, le dernier, c'est le dernier délai, c'est la dernière minute, on ne peut pas se passer de ce temps où Dieu a donné une parole, mm -hmm. où il s'exprime sur la question. Il faut qu'on aille le chercher. Amen, Amen. Et on va maintenant répondre à la question, euh, la question de qui, la question de, de destin ou oui destin, j'imagine que ça se prononce de France, qui demande de Jonathan, pourquoi Dieu a-t-il éprouvé la foi d'Abraham alors qu'il sait tout à l'avance Bah ben oui, c'est une très bonne question. Pourquoi Dites-nous j'en attends. Mais, mais en fait, la réponse est dans la question. Ah. <laughs> puisque puisque la, la réponse est dans la question, il n'y a, a pas grand chose à dire. Explique-nous, est-ce <laughs> qu'on est perdu hein. Non, non. Puisqu'on dit, puisque Dieu sait tout à l'avance, donc en fait, Dieu ne peut pas. Euh, Dieu connaît déjà le résultat du test. Donc, il n'était pas surpris. Donc, Dieu n'est pas surpris, et le but n'est pas informatif. Ça dépend pour qui. Le but n'est pas, euh, Dieu n'a pas besoin de s'informer mm -hmm. pour savoir si Abraham réussirait ou pas le test et que Dieu dise, hum, j'aimerais bien savoir si Abraham serait capable de passer ce test-là. Mm -hmm. Dieu le sait déjà. Okay. Et donc Dieu n'a pas besoin de cela. Il connaît même l'issue. Mm -hmm. Il sait très bien comment ça va finir. Mm -hmm. Mm -hmm. Il sait bien que... Ben, euh, ça, va, ça va bien se finir. Alors, à quoi, à quoi ça sert d'avoir de, de éprouvé sa foi Alors, on a, on a une, une double lecture à faire ici. D'accord Je mets mes doubles lunettes. <laughs> C'est ça. Donc, donc, une première lecture, parce que le texte est présenté d'une certaine manière. Qui pourrait nous laisser croire que, Oui. Hein? d'une certaine manière, qui pourrait nous laisser croire que, ben justement, euh, Abraham passe un test mm -hmm. et que Dieu veut voir si et que après il dit bon ben, maintenant je sais, je réalise, je comprends, tu as fait tes preuves mm -hmm. et tu as démontré. Et, et c'est vrai dans un sens. Mais maintenant, c'est pas à Dieu que ce test, euh, c'est pas à Dieu que la démonstration a été faite parce que ça c'est clair, Dieu Mais le sait, le même si. Ça semble être exprimé comme ça, parce que des fois, euh, dans, comment dire, Dieu se présente à nous euh, d'une manière humaine, euh, et souvent bah, sur des caractéristiques qui correspondent à, à, à l'homme, comme un père, par exemple. Dieu se présente à nous comme un père, mmh. mais il n'est pas notre père, mais il a les caractéristiques qu'un père humain peut avoir envers ses enfants euh, concernant la bienveillance et ainsi de suite. Alors dans cette histoire-là, oui. Euh, avec une lecture rapide, on dit c'est Dieu qui teste Abraham, mais finalement, celui qui est testé ou, ce, ou celui qui est bénéficiaire de ce du test n'est pas celui qu'on croyait. Mm -hmm. Parce que finalement, cette histoire est extrêmement reprise dans les textes du Nouveau Testament, oui. que ce soit par Paul, que ce soit par Jacques, que ce soit mm -hmm. par euh, l'Épître aux Hébreux. En tout cas, on reprend parce que ça devient une histoire fondamentale même euh, du peuple d'Israël et ça devient un, un exemple ou le père de la foi mm -hmm. au travers de cette histoire. Donc c'est une histoire qui sert d'exemple, même l'apôtre Paul va jusqu'à dire que c'était comme par une résurrection oui. et que ça va même jusqu'à nous présenter la mort et la résurrection de Jésus au travers de cette mm -hmm. histoire. Donc un père qui est prêt à donner son fils mais mm -hmm. qui ressuscite. Donc ça, ça va très loin au niveau de... De, du contenu de cette histoire-là. Donc, dans un premier sens, c'est une histoire qui a pour but de nous enseigner, mmh. de okay. nous éduquer. Enseigner le peuple en général, le peuple d'Israël en particulier au départ, nous enseigner aujourd'hui, nous aussi, comment Dieu pourvoit à nos besoins. C'est la, la grande... La grande leçon de ce texte, mm -hmm. hein, il y avait, euh, j'irai, donc Dieu pourvoit à nos besoins, et pas seulement, on ne parle pas ici de besoins euh, pécuniers ou financiers, mais on parle déjà du plus grand besoin que l'on a, c'est-à-dire d'un sauveur, oui. c'est-à-dire d'un sacrifice, et Dieu pourvoit lui-même au sacrifice. Mm -hmm. Et donc, c'est une histoire pour enseigner et éduquer, Abraham aussi, parce qu'au travers de cette histoire, Abraham apprend à mieux se connaître lui-même et à connaître ses limites et à connaître ses, sa capacité. Mmh. Aujourd'hui, si on se disait bon euh, Nadine, s'il y a une persécution et qu'il y avait le couteau sous la gorge ou le, le pistolet sur la tête, vous On dira Oh, je suis pas trop sûr de ce que je dis là mais une fois qu'on passe par là, tu verras quand tu y passeras. Hein? <rires> <rires> ah, <c 'est rires> <laughs> et puis, et puis quand il dit waouh je ne pensais pas que j'aurais eu ce courage-là. Mais finalement, ça vient fortifier, alimenter notre foi parce qu'on se dit... C'est ce que ça a fait pour moi Parce amener. que finalement, on se dit, c'est pas moi. Mm -hmm. j'aurais pas été capable de moi-même. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est inhumain, cette histoire-là. Mm -hmm. Et que quelque part, on dit, mais... Comment Abraham a-t-il pu faire ça De lui-même, il n'a pas pu, mm -hmm. mais Dieu était avec lui. Mm -hmm. Et en fait, on comprend que sa foi, c'est la confiance qu'il a en Dieu. Ou même Abraham allait dans sa tête en disant :« Je vais sacrifier mon fils, mais Dieu est capable de le ressusciter. Voilà. » Donc, il sait que euh, Dieu va faire quelque mm -hmm. chose, même s'il comprend rien. Donc, c'est tout ça cette histoire. Donc, c'est une histoire qui a pour but d'enseigner, enseigner Abraham, enseigner le peuple d'Israël et nous enseigner aujourd'hui mais certainement pas enseigner Dieu. Voilà. Écoute, réponse plus que complète. Si vous n'avez pas tout suivi, je vais vous faire un résumé version Yveline pour les gens un peu comme moi. Vous en gros, Suisse non non, un peu simple. En gros, Dieu savait le résultat de ce test, mais celui qui a été au bénéfice du résultat de ce test c'est Abraham parce qu'Abraham a Vu qu'il avait la foi, c'est ça. Donc, il a été, sa foi a grandi, sa foi a été fortifiée. Il a vu l'intervention de Dieu en plus qui a pourvu pour lui. C'est cela. Et nous, ça. on est au bénéfice de cette histoire aussi parce qu'on est fait. enseigné. Voilà, suffisait de dire ça. <rire> <rire> Merci beaucoup, Jonathan, pour cette réponse plus que claire. Et si vous avez d'autres questions à nous poser, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurgéinquestion.com. On continue avec la rubrique culture et médias. Donc Nadine, tu nous présentes un excellent livre dont on va voir le visuel de présentation tout de suite. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, aujourd'hui, je présente le livre Une fois toujours plus grande de Smith Wigglesworth. Et Smith Wigglesworth, si vous ne le connaissez pas, on a fait une rubrique avec son livre, on a fait un livre de la semaine qu'Aurélie a présenté il y a quelques temps sur sa biographie. Mm -hmm. Biographie très, très riche. Et euh, tu disais tout à l'heure, justement, qu'il y a un flashback aussi à venir. J'ai bien hâte d'écouter tout ce que Anne va nous partager sur ce monsieur. Dans ce livre ici, il y a beaucoup de, de témoignages, des choses qu'il a faites. Vraiment, le Seigneur s'est servi de ce monsieur de façon extraordinaire. Comment il est allé guérir des gens qui étaient... Euh, il rencontre plein de fois, il y a un, des, un monsieur qui était malade, qui était près de mourir, et il est allé le voir et il a prié pour lui, une dame qui, qui s'en allait pour qu'on lui coupe la jambe, qu'on l'ampute. Et elle a, il, a, il a dit à la dame « Est-ce que tu veux que je prie pour toi ?» Et après ça, il y a une foule qui, qui est arrivée. Alors là, l'ennemi a commencé à lui parler. « Ah, oh, tu vois, là, les gens sont là, ça ne va pas marcher. » Mais il s'est fortifié et il a prié pour cette dame. Et des guérisons instantanées. Et comment il était, il était vraiment solide sur ses jambes. Vraiment, le livre est un ramassis, un, une accumulation de témoignages et je crois que pour des gens qui passent par des temps difficiles, ça booste notre foi. Mmh. Hein, la, la Bible dit vraiment qu'ils ont vaincu par la parole de leur témoignage, et ça booste la foi que d'entendre des témoignages, des choses qui ont été dites, euh, euh, des choses que Dieu a fait. Et je vais vous lire deux extraits que j'ai trouvé vraiment vraiment beaux, et je voulais vous partager. Le premier dit ceci Ah, si seulement vous vouliez croire en Dieu, parce qu'on parle de la foi aujourd'hui, mmh. que se passerait-il Point d'interrogation. Les plus grandes choses. Voilà la réponse. <laughs> Certains n'ont jamais goûté à la grâce de Dieu n'ont jamais eu la paix de Dieu, l'incrédulité les prive de ces bénédictions. Il est possible d'entendre la vérité sans toutefois la comprendre, de lire la parole sans avoir part à la vie qu'elle apporte. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous révéler la parole et nous conduire à la vie qui est Christ. Jamais nous ne pourrons comprendre les merveilles de cette rédemption avant d'être remplis du Saint-Esprit. Donc il parle évidemment de ce que Jésus a fait, il parle beaucoup de guérisons parce que c'est vraiment là beaucoup que notre foi est mise à l'épreuve. Et il, il parle de l'importance aussi d'être rempli de l'esprit. Donc il vient aussi parler même aux, aux conducteurs, à des pasteurs, pour dire que ben, les, euh, autant des apôtres, autant des disciples, à un moment donné, se sont rendus compte qu'ils perdaient du temps à servir aux tables. Ils ont dit, ben, c'est c'est pas bon qu'on le fasse. Ils ont nommé des diacres et ils se sont eux mis à euh, continuer à être nourris dans la prière et euh, la lecture, d'être entre, entretenus dans la prière. Et là, il dit quelque chose que je vais vous lire. Nul de vous n'est plus fort en Dieu à moins d'écouter assidûment ce que Dieu a à lui dire. À travers sa parole, vous ne connaîtrez pas la puissance et la nature de Dieu à moins de vous nourrir de sa parole inspirée. Lisez-la le matin, le soir et à chaque occasion. Après chaque repas, au lieu de vous laisser aller à une conversation, une conversation, futile autour de la table, lisez un chapitre de la parole, puis ayez un moment de prière. Je me force de faire cela, où que je sois et chez mes hôtes, chez mes hôtes, quels qu'ils soient. Et ça, c'est vraiment important. Je trouve c'est bon super bon conseil. Wow. C'est bon, hein ouais. Oui. C'est euh, vraiment bon parce que là tu te dis ok c'est vrai. Tu lis un petit chapitre, tu pries et comme il disait michael dans sa pensée, c'est au quotidien la parole te fortifie et c'est comme ça que tu grandis aussi. Et c'est vrai que des fois on se réserve des temps à part, c'est bien beau, mais si on l'intègre dans, dans notre quotidien, bon, on voit notre foi devient ben, une fois plus grande. Mmh. Et ben, voilà. Merveilleux. Il est <laughs> disponible wow. sur MCMC MC boutique, boutique bien euh. entendu. Une fois Smith Gosford, je sais pas s'il le raconte dans celui-là, mais il passait dans, dans une rue et puis il y avait un enterrement. Euh, toute Amen. la famille était là, il connaissait pas. Il est allé euh, directement là où il y avait le cercueil. Il a pris wow. le mort, il l'a soulevé, plaqué contre le mur comme ça, et il l'a ramené à la vie. Il est parti. Wow. <laughs> C'est extraordinaire. Vraiment, il vaut mieux il être choses... rempli euh, en tout temps avec ça. Mmh. Dieu fait oh. des choses extraordinaires. Et aujourd'hui encore, dans cette génération, il y, a des, il y a des personnes comme ça qui vont soulever, je le crois. Amen. Amen. On n'a pas Amen. fini de voir tout ce que Dieu va faire. Dans... Amen Laissons-nous inspirer par de tels hommes euh, qui, ont, qui ont eu vraiment. La foi, mmh. tout simplement, oui. la foi, simplement. la taille d'une graine de moutarde. Ça a été suffisant pour ressusciter ce mort, c'était amplement suffisant. Merci beaucoup, Nadine, pour cet excellent livre que nous vous recommandons absolument. Je ne saurais trop insister. Allez, on passe à la rubrique témoignages. Alors aujourd'hui, Aurélie, tu nous partages le témoignage de Marie-Laure. Exactement. Alors, qui est Marie-Laure <laughs> C'est cette femme, elle est mariée, elle est mère de deux enfants. Et elle dit que deux ans après sa nouvelle naissance, en fait, son mari a trouvé du travail en Angleterre. Ils ont dû quitter la France pour aller s'installer en Angleterre. Et c'est dans ce contexte où elle était un peu retirée, où elle n'avait plus ses amis à côté d'elle, qu'elle a fait de EMCITV mais un compagnon de route. Et là, elle a vraiment même le pris un cahier. compagnon de route, Exactement. Envie de dire. <laughs> elle a pris un cahier dans lequel elle a noté tout ce que Dieu faisait dans sa vie au travers TV. et dans son témoignage, elle nous explique en fait tout ce que nos émissions euh, lui ont apporté et tout le bénéfice qu'elle en tire. Elle commence par Parole de femme et elle dit que en fait, Parole de femme m'a aidé à gérer mon quotidien. J'ai découvert des femmes qui ont eu à rencontrer les mêmes défis que moi. Leur expérience et leurs excellents conseils m'ont donné de nombreuses clés pour les affronter. J'ai appris à mieux affirmer mon identité en tant que femme. J'ai mis en place des nouvelles priorités, planifié, organisé mes journées efficacement, déjoué les mensonges du diable. J'apprends également à enlever les choses toxiques de mon caractère. Donc, Anne était passée par là. <laughs> Et vraiment, on voit que dans son quotidien, déjà, son quotidien a connu une nette évolution juste en regardant Parole de Femmes. Elle poursuit avec prière inspirée. Elle dit que grâce à cette prière inspirée, bien, elle a tout simplement grandi dans son intimité avec le Seigneur parce qu'elle prie avec eux les émissions prière inspirée. Elle dit vite foi à renverser certaines fausses doctrines que j'avais reçu ou entendu. Donc, d'une manière ou d'une autre, à travers les émissions, mmh. en fait, il y a toujours quelque chose qui s'est passé et elle cite vraiment en plusieurs émissions. Osana m'accompagne partout, dans la voiture, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans mes veillées de prière personnelles, dans mes temps de louange en famille. Et là aussi, elle parle de Bonjour chez vous qui lui apporte énormément. Et là, elle cite même des rubriques de Bonjour chez vous. Donc, c'est <laughs> pas juste l'émission en gros, mais là, elle détaille toutes les rubriques. Elle dit Bonjour chez vous, c'est d'ailleurs la première émission que j'écoute dans la journée. J'ai un coup de cœur spécial pour la rubrique famille. J'ai appris tellement de choses importantes sur la gestion du foyer et du ministère, mais aussi des choses pratiques, par exemple comment prier pour ses enfants. Euh, le quiz fait partie. Euh... Mais moi, je dis quiz, mais. Le fait le <laughs> partie des activités du soir que je propose aux personnes qui séjournent chez moi. Donc vraiment, elle utilise même euh, EMC TV euh, pour évangéliser mm -hmm. en fait les personnes qui viennent chez elle. Elle dit nous passons de très bons moments grâce à la bonne ambiance qu'il y a sur le plateau. La rubrique « Actu » m'équipe intellectuellement et m'exhorte à avoir un regard différent sur certaines choses, notamment l'histoire de la Bible, les hommes du réveil, etc. La rubrique « Témoignages » m'encourage énormément dans ma marche chrétienne. « Pasteur, j'ai une question », me donne des éléments de réponse très utiles pour l'évangélisation. En fait, elle a vraiment fait une longue liste <laughs> de tous les bénéfices que chaque émission a pour elle. Et en fait, elle nous dit que les émissions l'édifient vraiment. Et vraiment, ici, toutes les émissions, In hein, e Studio, Héros de la foi, Actualité prophétique. Elle regarde euh, tout, quoi. Elle regarde vraiment toute wow. la chaîne. Et en fait, pour finir, elle dit, mais il a fallu que je me retrouve dans un contexte de d'isolation. Pour que je réalise vraiment à quel point MCI TV joue un rôle important dans ma marche chrétienne, je suis agréablement surprise par l'effet que produit le Saint Esprit au travers de MCI TV sur ma croissance spirituelle. J'ai cette assurance que toutes ces semences sont très utiles pour gagner des âmes à Christ. Alors il nous parle, eh j'imagine l'impact que doit avoir euh, MCI dans la vie d'autres personnes, etc. Et vraiment, on est béni d'entendre des témoignages pareils. Et j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'attendre d'être tout seul dans un coin sans mmh. nos amis pour regarder EMCI TV. Elle, elle a été conduite de cette façon-là. Mais vraiment, ben, toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, comme euh, Marie-Laure, ben, c'est un très bon outil d'évangélisation. Mmh. Et vraiment, c'est un outil pour le quotidien. Comme on a pu le voir dans ce témoignage, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur quotidien. Mais Comment je fais avec les enfants Comment je fais ci Comment je fais ça Et il y a des réponses sur EMCI TV, Mais au travers de nos émissions, la parole de Dieu est prêchée, et la parole de Dieu booste des vies, mm -hmm. comme cela a été le cas de Marie-Laure. Et moi, je veux juste encourager les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à partager les émissions, parce qu'il y a des vies comme celle-là qui peuvent être touchées, qui peuvent être transformés et changés complètement au travers des émissions et aussi même encourager les gens comme Marie-Laure encore. Mmh. à Quand vous invitez vos amis à la maison, mettez une émission, regardez ensemble, regardez vos Bonjour chez vous, regardez d'autres émissions. Vraiment, il y a euh, il y a de derrière, il y a la vie en fait. Mmh. On apporte la vie aux gens et puis le Seigneur vraiment transforme des vies et touche au travers des émissions. Donc mmh. Partageons, on rend gloire à Dieu pour Marie-Laure, qu'elle continue. Amen, Amen. Marie-Laure, elle nous a envoyé deux autres témoignages, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, C'est une fidèle d'enseigne-moi.com, des débuts d'enseigne-moi.com déjà. Et puis, ben, elle continue, elle est fidèle à MCI TV, Et puis, on dit bonjour à Marie-Laure, qui est fidèle avec nous depuis longtemps. Merci de nous avoir envoyé votre témoignage. Et il y a un quiz cette semaine Et il y a un quiz ouais, cette ouais. semaine <laughs> Effectivement, mercredi, il y aura un quiz. Marie-Laure, invitez tous vos amis à la maison <laughs> Merci beaucoup Aurélie pour ce très bon témoignage. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages à l'adresse témoignage@emcitv.com. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime toujours les témoignages Alors à la maison. J'espère ouais. que ça vous édifie, mais nous sur le plateau, ça nous édifie aussi. On est content de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. Et puis de voir qu'il y a des vies comme ça qui sont touchées, qui sont transformées, qui sont bénies par, par notre travail, c'est encourageant, ça nous, fait, ça nous fait du bien. Et donc, je vous rappelle le titre principal de cette émission qui était Comment puis-je faire grandir ma foi Je pense qu'au au fur et à mesure euh, des minutes qui se sont écoulées dans cette émission, vous avez pu saisir certaines clés importantes. Donc, je vous rappelle, vous avez besoin d'une promesse de Dieu, vous avez besoin d'une parole révélée, la parole de Dieu. Donc, peu importe comment Dieu vous parle, de quelle façon, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous sachiez que cette parole est pour vous, qu'elle s'adresse à vous, qu'elle est une promesse de Dieu et vous pouvez vous vous appuyer sur elle et croire vraiment que Dieu est fidèle et que ce qu'il vous a dit, il va aussi l'accomplir et votre foi n'aura aucun problème à tenir ferme dans les épreuves, dans les difficultés, dans tout ce qui peut vous arriver. Vous aurez la foi suffisante, même si elle a juste la taille d'une graine de moutarde, elle sera forte et puissante pour déraciner et déplacer tout ce qui doit se déplacer de votre route. Nous allons nous retrouver demain, notre thème sera être discret, c'est important. Jonathan, tu nous feras une pensée silencieuse, très discrète. Et nous aurons également à la rubrique famille avec Anne qui va nous faire une rubrique famille pour les parents qui ont des enfants adultes, jeunes adultes, euh, qui va nous parler de ce, ce lien euh, qu'il faut conserver, mais comment faire pour ne pas être justement trop envahissant dans la vie de nos enfants qui sont devenus autonomes. Donc ça va être une très belle émission que je vous invite à regarder. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.